Bonjour, je présente Farkle. Donc dans Farkle, il va falloir faire les combinaisons ici, que je vais montrer parce qu'elles sont un peu longues à lire. Donc le joueur va lancer les dés, le premier joueur va lancer les 6 dés. Alors ici, il y a des faces rouges parce que dans le Farkle Dice, on peut doubler les points. Là, on va juste jouer au Farkle. Donc ici, le joueur peut prendre le 5. Alors s'il n'y avait pas eu de 5, il aurait eu une paire de 2. Alors il a un brelan de 2 qu'il peut prendre. Les paires de 4, eh bien, ça ne compte pas, car il faut 3 paires pour marquer 1500 points. Donc ici, il peut garder de côté le 5, qui lui rapporterait 50 points, et les 3-2 qui lui rapporteraient 200 points. Donc là, pour l'instant, il a 250 points. Il peut décider de relancer les 2 dés, sauf que s'il ne fait aucune combinaison avec ces 2 dés, parce que cela, on ne peut plus rajouter de dés pour faire des combinaisons, c'est-à-dire qu'ici, il faut qu'il fasse des 5 ou des 1 s'il veut marquer. S'il ne marque pas, donc il relance, il ne marque pas, alors il a un 5... Donc il peut le mettre de côté et il peut encore relancer ce dé-là s'il veut. Donc ici, il faut qu'il fasse un 5 ou un 1. Il n'a pas fait de 5 ni de 1. Il ne marque donc pas les points qu'il aurait dû marquer, 50 et 50, 100, plus le brelan de 100. Cela ferait 300, mais comme il a fait un 2, il a fait en fait ce qu'on appelle le Farkle, c'est-à-dire qu'il ne marque pas de points pour cette manche. C'est donc à un autre joueur de jouer. L'autre joueur va lancer les dés. Il a par exemple ici un brelan de 3 qui vaut 300 points. Un 1 qu'il peut mettre de côté. Alors on est obligé, alors il pourrait mettre juste le 1 de côté et relancer tous les autres dés. Mais chaque fois qu'on lance les dés, on est obligé de mettre quelque chose de côté. Donc là il décide de garder les 3 et de relancer les 2 6. Il obtient un 2 et un 6, et bien lui aussi fait un Farkle. Si par exemple il avait lancé les dés et qu'il avait eu cette configuration là. Tous ces dés marquaient, ici 100 points, plus 100 points, plus 300 points puisque c'est un brelan de 3, plus 50 points. Tous ces dés marquaient, eh bien il pouvait relancer pour rejouer. Voilà, c'est Farkle, donc voilà ce qu'il faut faire dans Farkle. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, je voulais juste vous dire que pour le rouge, quand on prend en compte les faces rouges, eh bien, on double les points. Là, par exemple, comme il a au moins une face rouge dans les dés que l'on voit ici, eh bien, il aurait doublé les points. Donc, il aurait doublé les points ici pour sa combinaison, pour son 5, et il aurait doublé les points pour la combinaison du 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.